problème sur problème. Si nous ne faisons pas attention et que l'un du groupe de jeunes Bamanabio accède encore à cette haute fonction, ça sera pareil. Ils ont le même virus. Le même virus. Infidélité, inceste, miyibi. Même, on ne sera pas tiré d'affaire. Donc, je confirme que le mari de Blanche Nsotissa gagne 60 000 francs CFA le mois. Il n'est pas officier. Quel conseil donne-t-il à Bamanabio? La question reste posée. Sauf la figuration, j'ai bien la figuration dans la liste des salariés de l'armée du sol. J'ai compris pourquoi Blanche est venue m'agresser verbalement par son message. Tite Mobasa, quand ils font un retour d'un million avec les Odiles. Je me souviens à l'époque, Blanche était virée à l'auberge, à la caisse, parce qu'elle avait détourné des sous de l'auberge. À l'époque, j'ai le nom de l'officier, mais je ne vais pas le dire. Dès l'officier là avait constaté que Madame Blanche Nsotissa avait volé, détourné les sous de l'auberge, on l'avait virée de la caisse. Donc j'ai compris pourquoi elle est venue s'en prendre à moi par un message vocal, se rangeant du côté de Bamanabio. Moi, mon vrai problème, c'est pas Blanche, c'est pas Blanche. Mon vrai problème, c'est le bien des officiers. Que l'armée du salut au Congo-Brazzaville retrouve sa dignité. Ce que Mamoudil est en train de vous dire là, oh, que le quartier général nous soutient, nanani, nana, elle est obligée de parler comme ça pour que les gens pensent que elles ont encore soutien. Leurs amis salutistes de l'extérieur les appellent. Bazo Bengaka Bango. Moi, je ne suis pas seul. Nous sommes nombreux. Il y a des amis de la Belgique qui sont avec moi, les amis de Londres qui sont avec moi, les amis de la France. Alors, la France, c'est la capitale des salutistes expatriés congolais, si vous voulez qu'on appelle ça comme ça. Donc, je ne suis pas seul. Maintenant, si vous croyez que moi, je vais être intimidé par vos petits mots-là que vous êtes en train de balancer dans le couloir là à l'armée de sol, au QG de Brazzaville. Moi, j'ai pas peur de ça. J'ai pas peur de ça. J'ai pas peur de ça. Je vous ai dit, venez. Moi, dans ma maison ici, il n'y a que le drapeau salutiste et la Bible. Dans ma maison, j'ai que le drapeau salutiste et la Bible. Et les bibas. Batata Ménard, Batela Mabena, tous ces vieux-là, Batela Mabena, maintenant osez venir à Brazzaville, je vous prends à témoin, nombreux deviendront fous. Même si vous avez un Zambi, je ne suis pas un sorcier comme les Blanches et tout ce groupe-là. Nkombo, pourquoi Nkombo a été victime de la manipulation, c'est tout ça. Les Pavelic, les Boudzoumou, les Biampamba ont eu à porter des signatures sur des faux documents accusant Nkombo, qui sont là-bas à Londres. Voilà pourquoi Nkombo a subi une pression venant de l'ami et frère du CT, le corrompu là qui était venu avant l'arrivée du général. C'est un corrompu. C'est un corrompu. Il est venu, il est parti avec son enveloppe. D'où la protection des jeunes. Donc ce que vous devez comprendre, c'est que par la prière que nous allons vaincre ce combat-là. Et nous allons le gagner, ce combat-là. Il y a un temps pour tout. Quand je dis c'est fini, c'est fini. Il y a un jeune, il est temps de partir avec les honneurs. Si tu vas demander une affectation, aller finir avant ta retraite à l'extérieur. Si tu veux finir avec, parce que moi je n'arrêterai pas. Je n'arrêterai pas.
Et mes frères, là, les journalistes à Brazzaville travaillent, rentrent. Je viendrai encore vous montrer les photos d'autres maisons du couple Bamanabio. Je vous avais dit que Odile Bamanabio a une maison encore à Matadi là-bas, à Matadi. À Matadi, la République, la capitale économique de la RDC, a une maison là-bas. Il a une maison à Kinshasa de 3 niveaux. Donc, les amis, vous qui continuez à donner le mbwata, allez-y. Pour ceux qui ont compris que c'est de la magouille, c'est du vol, merci à vous. Pour les aveuglés, les fanatiques de ce couple-là, continuez à donner leur large. Donc, bah, ça, là, qu'à Ristourne, il y a 1 million, bah, blanche, Naba, voilà pourquoi elle a eu le courage, l'audace de venir m'affronter par un voix vocale, par la voix vocale plutôt. J'attends qu'elle revienne encore. Si elle ose, je viendrai sortir le nom de son Makangu officier. Comme ça, Pavelic va applaudir, va comprendre pourquoi quand il va à l'extérieur, c'est l'autre là qui vient combler le vide. J'attends que Blanche vienne répliquer, je lui dirai le nom et je viendrai dire le nom de cet officier-là. Diboun de mon combat, je ne veux pas être distrait. Ne soyez pas. N'ayez pas de doute dans ce sens-là. Mon combat, que les officiers retraités soient bien traités, que ceux qui travaillent dans des centres de santé aient leur salaire et que les centres de santé arrêtent de fermer. Je vous avais dit, le centre de santé donc a 10 mois d'arriéré son salaire. Et vous voulez que je vienne applaudir? Les officiers en province actifs encore, 48 000 francs CFA, un lieutenant. Mais Pavelic a 60 000 francs de salaire. Donc allez-y comprendre. Vous allez comprendre pourquoi Blanche est venue à oser s'attaquer à moi. Je vous ai dit dans la vidéo hier, Beto Sambila Samuna, la lieutenante Twadikisa, du Bundu, Beto Kouka Cheve, la chaîne de prière. Prions pour cette lieutenante-là. Elle est en train de souffler. Et le QG le sait, le QG de Brazzaville le sait. Les hauts gradés de l'armée du salut, les hauts gradés de l'armée du salut le savent. Ils le savent. Je l'ai dit, Betu Sabe la Samuna, Mama Twadikisa. Compris beaucoup pour elle. Kempe Vietatanzambe Kuzakusala, Nanzutoyat. Les affectations sont déjà scellées. Ils ont déjà fait les affectations. Ils attendent l'arrivée de Ayagababo pour dire que c'est Ayagababo qui a fait. Parce qu'ils attendent qu'il vienne poser son signature. Sa signature plutôt dans le document, pour que les fidèles soient trompés dans ce sens-là que c'est le secrétaire en chef qui a ordonné les affectations. Or, le CT et à Ouyanganga, ils ont déjà scellé les affectations. Beaucoup d'officiers au quartier général, là à Brazzaville, vont sauter dans leur poste, ils vont être affectés. C'est déjà fait, c'est déjà bloqué. Donc, ils attendent qu'à le lieutenant-colonel Ayagababo arrive, on va lui présenter juste et lui, il va poser sa signature. Mais les affectations sont déjà faites. Ne soyez pas dupes. Déjà fait et scellé. Donc, puisqu'on a décrié, on l'a dit en avance, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, attendons l'arrivée, mais comme c'est déjà dans les cartons, attendons l'arrivée, il va poser juste sa signature et on va affecter les gens. Mais ne croyez pas que c'est le lieutenant-colonel Ayagababo qui vient tout à coup arriver faire les affectations. Non, ça fait des années qu'ils ont quitté le Congo. Ça fait des années qu'ils ont quitté le Congo. Donc quand il vient là, si vous voyez les affectations, c'est l'œuvre de Yaé Jeune et Aouyanganga. Donc c'est ça, chers amis. Balobaba lobaté. Mais si on vient encore me bousculer, je viendrai dire le nom avec le nom de la personne qui est l'officier que le Makangu
de qui est le rival de Pavelic. Donc, celui qui ose venir m'attaquer, qu'il soit blindé. Je vous dis, celui qui ose venir m'attaquer, qu'il soit blindé. J'ai des dossiers. J'ai des dossiers. Ça ne fait qu'arriver. Ça ne fait qu'arriver. Ça ne fait qu'arriver. Mais j'ai des dossiers. J'ai des dossiers. Donc, chers amis, Tozo Solola, on continue. Mais je ne suis pas distrait, ne vous en faites pas. Chaque matin, j'implore le nom de mon Dieu vivant dans cette maison. Dans cette maison, comme je l'ai dit, j'ai que le drapeau et la Bible. Le drapeau de l'armée de salut et la Bible. Et tous ceux de l'armée de salut frustrés qui sont avec moi. Voilà pourquoi je dis, Seigneur Yalouka Brazzaville, osez venir ici chez moi. Nombreux deviendront fous. Boyaka. Vos petits gris-gris là, du quartier, vos gris-gris là, ben changer. Beaucoup t'en a. N'avion y a nan y a oyo y a makana. Venez. Venez. Comme ça, vous allez voir s'il y a un Dieu qui existe ou pas. N'ayez pas peur.